Bon, je dois parler d'un problème. Quand tu vas faire du shopping, tu me dis si ça t'est déjà arrivé. Déjà, tu rentres dans le magasin. Tu rentres pas. À peine tu mets un bout de doigt de pied dans l'enceinte du magasin, la vendeuse. Ah, bonjour, elle se jette sur toi. Bonjour, alors ça va? On a tout, on a tout ce qu'il faut. On a des jeans, on a des t-shirts, on a des pulls, on a des tricots. Ça va vous? Vous êtes super beau. Oh, vous avez des lunettes. Oh, c'est super beau. Vous avez une peau de. Oh, une peau nacrée. Tenez, je vous fais essayer ça. Venez dans la cabine. Venez! Achetez! Achetez! Putain, la meuf, elle se jette plus vite sur moi que le GIGN si j'avais crié Allahu Akbar dans une charcuterie. Putain, calme-toi! Et là, t'as son pote Brendan, il fait cucu! Monsieur, alors on vous présente tous les nouveaux modèles. On a en jean, des super skinny fit, des skinny fit, des carottes fit, des loose fit, des slim fit, des steak fit. C'est quoi ça, carottes fit? Je crois, c'est quoi? C'est des légumes, c'est un potager? Le sponsor de Zara, c'est silence, ça pousse? Est-ce que vous allez faire tous les légumes? Est-ce qu'il y a un mec en soirée, il va faire, attends, je vais voir ma meuf, j'avais mis mon brocoli fit. Oh putain, génial! Elle a super kiffé. Et après, tu as les jeans troués. Mais le jean est tellement troué, on dirait qu'il te vend rien. Ils te vendent du vent, tu l'amènes à la caisse, tu as les mêmes vides. C'est pas possible. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu essayes, tu dis, bon, je vais essayer mon 40 fit, jean fit, brocoli fit, navet fit. Je vais aller en cabine. Et quand tu arrives en cabine, tu as la queue devant et tu as ce personnage. Tu sais, tu le connais. Il pue tellement sous les bras. La vie de ma mère, la prochaine fois que je vois une enquête policière à la télé, je dis, le cadavre, je sais où il est. Il est sous ses bras. Il est sous ses bras. Et tu as les meufs devant toi. Elles sont dans un magasin, donc un lieu public. La meuf, elle est en pyjama, en sabot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es levé, tu as dit à ton chéri, bon, je vais te faire un bol de Chocapic. Alors, tu t'es trompé de chemin, tu t'es retrouvé chez Zara. Qu'est-ce que tu fous en pyjama dans les magasins? Je comprends pas, je comprends pas. Alors là, je vais dans la cabine, j'essaye le jean, et c'est pas un jean, c'est un collant calzédonia. Tellement il est moulant, le truc. J'ai entendu taper au-dessus, la cabine à côté, à Julia Robat, ça l'a fait calzédonia. Ça va, mon chéri? J'adore. C'est pas possible. Tu regardes tes jambes, tu mets des grosses baskets, tellement c'est moulant, on dirait un marteau à l'envers. On dirait, il y a Thor, il va se prendre la jambe. Il va défoncer son frère avec. C'est pas possible. Zara, il faut être mince, hein. Zara, tu fais 2 kilos, tu as l'obésité morbide, hein. Attention. Si tu fais plus de 50 kilos chez Zara, tu fais pas la fashion week. Tu fais la fashion quick. C'est pas possible. Et là, dès que tu sors, oh, ça vous va trop bien. Oh là là, waouh. Alors ça, c'est un jean de marque Diesel. Ah non, mais ça vous va. Vous savez pourquoi? Vous êtes un mec Diesel. Non, je suis pas un mec Diesel, je suis un mec à découvert. 350 euros le jean. En plus, c'est tout flic qu'il a fait à Mamet. Il a été payé 2 dinars et une date. Et tu le vends 350 euros, il t'a coûté 1 euro le jean. C'est pas possible. Le truc, j'ai essayé de serrer. Il est tellement serré, j'ai fait une embolie pulmonaire. J'ai voulu payer, je vais aidez-moi. Il monte des 50-0 pieds de biche. C'est pas possible. Et en plus, dans le magasin, tu mets ton jean moulant, là, en cuir de vachette. Il fait 750 degrés. Quand tu arrives à la caisse et qu'elle te dit, vous voulez payer comptant ou liquide? Quand elle te dit liquide, c'est pas pour que tu payes en liquide, c'est parce qu'elle veut savoir si ton site est trempé. Parce qu'elle en peut plus. Alors moi aussi, j'aime bien les jeans bien taillés, les trucs. Ok. Mais quand j'achète un jean, j'aimerais bien acheter un jean. Pas le legging des Kardashians. Je comprends pas.